Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un dégradé avec effet, avec du gel, du vernis gel, donc du vernis semi-permanent et une éponge à maquillage. J'ai tout d'abord commencé en appliquant sur mes ongles un vernis blanc, donc un blanc opaque. Ensuite, je vais appliquer une base gel que je vais faire cuire une minute sous ma lampe LED. Pendant que ma base polymérise sous ma lampe LED, je vais sur une petite plaquette faire mon mélange de couleurs. Donc, j'ai sélectionné deux couleurs de Arnell & Beauty, le Ice Green numéro 4, le Candy Color numéro 12 et aussi une couleur de chez Looky. Donc, un genre de turquoise, le numéro 451, la couleur sapin. Donc, je vais juste tout simplement mettre des lignes sur ma plaquette. Une fois que mon mélange est fait, je vais tout simplement prendre mon éponge que je vais tremper à l'intérieur et je vais faire un petit va-et-vient dedans. Donc, à peine un petit mouvement pour prélever la couleur un peu partout et ensuite je vais tapoter tout simplement mon ongle. Donc je vais faire ça à trois reprises. La première couche, c'est tout le temps l'éponge qui absorbe énormément le produit, donc c'est normal. Je remets du vernis. Et voilà, on reprend notre ongle et on fait la même chose et faites attention pour prendre le même côté d'éponge. Donc on taponne un petit peu, gauche, droite, un petit peu en bas, en haut pour mélanger un peu les teintes. Et c'est tout simple. Une fois que c'est fait, on fait cuire. Et on refait ça une troisième fois. Et voilà, on reprend un petit peu le produit. Comme ceci. Et maintenant, on taponne encore une fois. Et vous voyez que le mélange commence à se faire très bien. On le fait cuire et je vais le faire une dernière fois. Normalement, trois fois suffit, mais il faut que l'éponge soit déjà bien imbibée. Donc, ça arrive qu'il faut le faire quatre fois, mais la plupart du temps, trois fois, ça suffit. Donc, pour avoir un beau dégradé, il vaut mieux prendre le temps de le faire, que ça soit un petit peu plus long, mais au moins, le dégradé va être beau. Donc, on refait cuire une dernière fois. Et voilà, et on fait une dernière couche. Et voilà, on fait cuire. Et là, on peut tout simplement mettre notre finition par-dessus. Mais moi, j'ai décidé de rajouter des petits brillants. Donc, pour mettre des brillants, vous pouvez bien sûr y aller avec un gel transparent pailleté et appliquer une seule couche. Mais si vous voulez que quelques brillants... Le truc, c'est vraiment d'utiliser encore là votre éponge. Comme ça, vous allez avoir vraiment très peu de brillant. Et c'est vraiment ce que je veux. Donc, je vais utiliser le dos de mon éponge. Je vais appliquer directement le vernis sur le dos de mon éponge. Et je vais tapoter sur l'ensemble de l'ongle. Et comme ça, il va y avoir que quelques paillettes au lieu de beaucoup si j'applique juste une couche ou deux couches.
Ensuite, il va me rester tout simplement à appliquer ma finition gel. Et voilà ce que ça donne une fois la finition appliquée. J'ai préparé un autre ongle tout blanc et j'ai appliqué également ma base par-dessus. Je vais faire la même chose, donc un dégradé, mais vous pouvez faire ce genre de dégradé-là en appliquant une forme quelconque, soit découpée au papier, soit un petit sticker que vous allez coller. Et dans le fond, ça va vous faire un negative space, donc une place qui va rester blanche versus le dégradé ailleurs. Donc voilà, j'ai décidé d'y appliquer un cœur bien au centre, donc rien de trop compliqué. Et je vais tout simplement reprendre le même pattern, les mêmes couleurs que je vais reproduire à 3 reprises. Donc, c'est pas grave si vous tachez le sticker. L'important, c'est vraiment d'y aller comme ça et pas aller en dessous du sticker pour vraiment que ça garde une belle forme de cœur. Et on fait cuire entre chaque. Et voilà. Une fois que votre ongle est cuit, il vous reste simplement à enlever délicatement le sticker et vous avez votre cœur. Des fois, il y a un petit peu de vernis qui n'est pas cuit en dessous, donc ça c'est vraiment simple. Vous prenez un pinceau propre, vous mettez de l'alcool ou un petit peu de cleanser à gel et vous allez enlever qu'est-ce qui a dépassé en dessous, qu'est-ce qui n'a pas cuit en dessous. Des fois, ça peut à peine un peu se toucher. Là, ça l'arrive de temps en temps. Et voilà, vous avez votre negative space. Je vous suggère de ne pas utiliser des gros collants comme ça, bombés. Ça ne va vraiment pas bien. C'est vraiment parce que j'avais juste ça sous la main. Sinon, utilisez vraiment des petits stickers plates, là, vraiment traditionnels. Et là, je vais faire le contour du cœur avec les petits glitters, le petit gel glitter pour harmoniser avec l'autre ongle que j'ai fait. Évidemment, cette étape-là est facultative. Donc, je vais faire ça avec mon petit liner de détail, tout simplement. Et voilà les résultats finaux des deux ongles. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bonne semaine.